J'ai récemment reçu un sac de la marque Peak Design, la nouvelle version, la V2. J'avais fait une vidéo il y a très très longtemps de la version 1. Je vous mettrai le lien là-haut, c'était un 30 litres. Et aujourd'hui, on va faire le déballage et la présentation ensemble de ce nouveau sac Peak Design de 20 litres. Donc c'est la nouvelle version avec la couleur bleue. Ce qu'ils appellent ça la Midnight, donc c'est un 20 litres, c'est le backpack 20 litres. Il arrive dans un sac en plastique pour un produit qui coûte quand même très cher, mais bon, c'est un plastique, on va dire, c'est un sac en plastique recyclable, donc ils tiennent vraiment à ça. Donc on va déballer et puis au fur et à mesure on parlera de ce produit. Avant de commencer, je vais donner quelques infos rapidement sur ce sac, parce que je pense après on regardera plus en détail. Donc il est bleu nuit, comme j'ai dit. Il a un compartiment pour mettre un ordi ou une tablette dedans. Il pèse sans rien dedans 1,57 kg exactement. Les dimensions, donc c'est un 20 litres, donc un 31,5 par 23, 6 par 48 cm. Il est résistant aux intempéries, il a une coque 100% recyclée, il a des pochettes latérales, donc extensibles, on peut mettre des bouteilles d'eau, des trépieds, ça, il n'y a pas de souci. Il a un porte-bagages intégré, c'est-à-dire avec des sangles, donc il y aura deux sangles escamotables pour pouvoir mettre, je sais pas moi, un sac de couchage, etc. Donc il est, on appelle ça un sac everyday zip. Accessible par le dessous, donc il y a une fermeture éclair ultra résistante, 260 degrés, avec des séparateurs qu'on verra à l'intérieur pour pouvoir séparer les produits qu'on appelle les flex fold. Et voilà, en gros. Donc, on va procéder au déballage. Oui, encore une dernière information, donc ordinateur portable ou tablette jusqu'à 15 pouces. Plutôt ordinateur jusqu'à 15 pouces et les tablettes, ça peut aller jusqu'à 13 pouces, voire plus si ça existe. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez des tablettes qui ont une dimension de 15 pouces diagonale. Voilà, allez, on commence au déballage. Donc, plastique. Non, on va pas rester. On dirait un plastique de poubelle, mais bon, apparemment, là, vous allez avoir ici. Je vais essayer de l'élargir le plus possible. Donc là, vous allez avoir la capacité, la couleur et le produit Peak Design, dessiné à San Francisco, mais fabriqué au Vietnam. Voilà. On ouvre le machin. Et on y découvre un joli sac. Alors, je sais pas si vous voyez la couleur, mais c'est du bleu. Midnight. On appelle ça Midnight. Avec une sangle en cuir. Alors, ça a l'air du cuir, mais je sais que eux, ils n'utilisent pas des cuirs. Ça doit être du cuir vegan. Donc, une sangle marron avec le petit, le petit logo à Peak Design. Pareil, une sangle maintien ici. À l'intérieur, vous avez de la doc. Ici, donc, première poche, vous avez une sangle pour pouvoir accrocher un trépied, une bouteille d'eau, etc. L'autre côté, vous avez la même chose, une autre poignée, voilà, avec un petit porte-clé. Ou porte ce que vous voulez, avec la petite sangle connue de Peak Design. Donc vous pouvez attacher des clés, ce que vous voulez. Et je pense à l'intérieur, il y a aussi donc une attache pour pouvoir attacher ce que vous voulez. Derrière, vous avez donc deux sangles pour le dos, un rembourrage,
un passe pour des valises, monnaie de valise, si vous voulez l'accrocher ou le fixer à une valise. Vous avez ici, vous voyez ici, je vais vous montrer. Ici, donc, vous avez une espèce de élément qui fait que la bretelle ou la sangle bouge. Donc, il n'y a pas de frottement. Ici, c'est rembourré pour le dos. Là, pareil, c'est des sangles pour le maintien, si vous voulez maintenir les deux côtés ensemble. Ici, une ceinture pour la taille. Et voilà ce côté-là. Derrière, en dessous plutôt, vous avez des accroches ici pour accrocher la bandelette qui va venir. Vous voyez ici, vous en avez quatre. Là, deux. Et deux pour croiser, pour pouvoir fixer soit un sac de couchage, soit un trépied, etc. Là, c'est une partie en plastique pour ne pas abîmer la partie, on va dire, tissu. Prévu contre les intempéries, donc l'eau ne passera pas. Voilà. Et puis là-haut, vous avez une première fermeture éclair qui va nous faire découvrir donc des compartiments. Donc hein, une petite pochette ici pour mettre des objets. Une seconde, deux petites pochettes pour mettre encore des choses. Ici, vous avez une petite ouverture pour mettre donc l'ordi ou la tablette, ici pour venir fixer votre ordi ou ce que vous voulez à l'intérieur. Je vous montre donc un scratch pour mettre votre ordi et le fermer, bien sûr le protéger. Et vous pouvez venir mettre, attendez, je vais vous montrer, on peut mettre un iPad 13 pouces, oui, on peut le mettre à l'intérieur sans aucun problème. Voilà, on ferme. Et on va au cœur du produit, donc deux fermetures éclair qui se trouvent ici. On peut ouvrir l'une pour accéder à cette partie-là. Je vais montrer à cette partie-là, donc pour mettre batterie, câble, etc. La même chose ce côté-là. Donc batterie, câble, etc. Et vous avez le cœur, on va dire, du sac qui s'ouvre complètement, protection, et on a accès à des compartiments qu'on peut moduler comme on veut à notre guise. Donc vous pouvez enlever le crash, vous pouvez modifier, vous pouvez garder un, etc. Et là vous avez aussi une petite pochette, voilà, donc sac complet de très bonne marque. De très bonne marque, très résistant, garantie à vie. Donc vous n'aurez aucun souci s'il y a un problème de retour et autres. Je crois avoir fait le tour. Je vous mettrai quelques informations sur l'espace commentaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.